Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une application que l'on va trouver sur iPhone et sur iPad à partir d'iOS 11, une application qui peut être très utile à beaucoup de gens et qui est en plus compatible avec beaucoup de langues, avec beaucoup de pays. Et cette application s'appelle Cash Reader pour les aveugles, lis le billet de banque. Cash Reader. Une application qui va vous lire vos billets de banque où que vous soyez. Cette application est en test et ensuite, vous devrez passer donc un abonnement à l'année. Donc place tout de suite à l'application Cash Reader. C'est parti pour la démo. Voilà donc, qu'est-ce que Cash Reader ? Je vous mettrai donc le lien dans la description, sinon vous allez sur l'App Store et vous marquez Cash Reader, C-A-S-H, Reader, R-E-A-D-E-R. Elle est téléchargeable, comme je vous l'ai dit, gratuitement dans un premier temps, et ensuite vous allez devoir donc prendre un abonnement à l'année. Vous allez donc l'acheter à 19,90€ pour avoir la version complète, mais vous pouvez la tester pendant 14 jours. Qu'est-ce que va nous faire Cash Reader. On va tout de suite lire le descriptif. Cash Reader parle polonais et arabe maintenant. Nouvelle devise zloty polonais, couronne danoise et couronne norvégienne. Un outil permettant d'identifier rapidement la valeur d'un billet de banque. Cash Reader peut actuellement identifier l'euro, le franc suisse, la couronne tchèque, la couronne norvégienne, la couronne danoise, le zloty polonais, le dollar américain et bien d'autres devises sont à venir. Il suffit de pointer la caméra de votre appareil photo sur le billet sous n'importe quel angle ou dans n'importe quelle condition d'éclairage pour entendre, voir ou sentir sa valeur. La valeur du billet est donnée à haute voix par le haut-parleur de votre appareil. Elle est également affichée à l'écran sous forme de grands caractères contrastants. Lorsque vous passez votre appareil en mode silencieux, la valeur sera transformée en vibration. Cela permet de compter rapidement les billets dans les environnements bruyants ou de vous donner plus d'intimité lorsque vous en avez besoin. L'identification d'un billet de banque fonctionne même sans connexion Internet, de sorte que vous pouvez l'utiliser rapidement n'importe quand et n'importe où. L'application fonctionne parfaitement avec VoiceOver et s'adapte à n'importe quelle taille de texte plus grand sélectionnée dans vos paramètres d'accessibilité. L'application contient de nombreuses autres fonctions pratiques basées sur les commentaires de la communauté, et nous vous invitons à nous en suggérer d'autres. Le téléchargement de Cash Reader est gratuit. La version gratuite identifie seulement les deux ou trois premiers billets de chaque devise, par exemple, 1, 2, 5 dollars américains ou 5 et 10 euros. Vous pouvez acheter la version complète pour débloquer tous les billets en choisissant une formule d'abonnement ou une licence à vie. L'abonnement se renouvelle automatiquement. Langue : français, allemand, anglais, arabe, polonais, slovaque, tchèque. Achats intégrés : version complète pour 14 jours, 0 euros, version complète à vie, 19,99 €. Voilà, je vous présente cette application parce qu'elle est compatible aux personnes malvoyantes. Comme vous avez pu entendre, elle est au début gratuite pour la lecture des quelques billets. On peut l'acheter à l'année à 19,90€ et on peut avoir un abonnement. On va voir tout de suite la suite dans la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et on fait suite à la vidéo. On installe et on voit comment l'application réagit. Voilà, donc on va tout de suite se diriger sur Cash Reader. On ouvre. Cash Reader. Bienvenue dans une application qui permet d'identifier les billets de banque dans de nombreuses devises différentes. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre téléphone vers un billet de banque, et il vous indiquera ses valeurs. Pour commencer, veuillez nous donner accès à votre appareil photo. Donnez l'accès à l'appareil photo. Bouton. Avertissement. Cash Reader souhaite accéder à l'appareil photo. L'identification des billets de banque se fait à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone. Veuillez confirmer l'accès à l'appareil photo. Refuser. OK. Bouton. Choisir la devise. En tête. Vous pouvez choisir d'identifier une seule devise ou toutes les devises disponibles en une seule fois. Identifier une seule devise est plus précis. Les valeurs des billets de banque sont exprimées à haute voix si le son de votre téléphone est activé. Les boutons sur le côté de votre iPhone basculent entre le mode son et le mode silencieux. En mode silencieux, la valeur d'un billet est transformée en vibration, uniquement avec une seule devise sélectionnée. Si vous ne sentez pas les vibrations, veuillez vous rendre à la section son dans les paramètres de votre appareil. Assurez-vous que vibraton ring et vibraton s'ils sont activés. Sélectionnez immédiatement euro. Bouton. Sélectionnez. Téléchargement des données pour les euros. En tête.
En cours. En cours. Préparation des euros. Actuellement, succès. En tête. Actuellement, nous identifions les euros. Continuez. Bouton. Version complète. En tête. La version gratuite n'identifie que les deux premiers billets de chaque monnaie. Vous pouvez acheter la version complète pour débloquer tous les billets en choisissant une formule d'abonnement ou une licence à vie. Les formules d'abonnement vous donnent le premier mois gratuit pour essayer. Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Bouton. Téléchargez la version complète. Bouton. Continuez avec la version gratuite. Bouton. Terme de l'accord. Terme de l'accord. Nous faisons de notre mieux pour identifier correctement tous les billets de banque. Dans des circonstances spécifiques, cependant, il peut y avoir des erreurs. En utilisant cette application, vous reconnaissez et acceptez que pour tout dommage causé à vous ou à des tiers par une fausse déclaration d'un billet de banque, nous déclinons toute responsabilité. Veuillez également noter que l'application n'est pas en mesure de détecter les faux billets de banque. Je suis d'accord et j'aimerais commencer à utiliser l'app Identifier les euros. La version gratuite identifie seulement 5 euros, 10 euros. Allez, on va tout de suite tester sur les deux billets sur lesquels on a le droit. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette application sur la version gratuite, sur la version payante. C'est vrai que c'est un peu cher, je trouve, pour 19,99€ à l'année, mais ça peut vraiment servir à beaucoup de gens. Par exemple, des personnes ayant une déficience visuelle tardive, comme des DMLA, des personnes qui ont un peu de mal avec la lecture de billets. Voilà pourquoi cette vidéo, je vous la présente, car je pense quand même qu'elle peut aider beaucoup de gens. Allez, on teste et c'est parti. Allez, on a donc deux petits billets, un billet de 10, un billet de 5. Notre application est lancée. Identifier les euros. Et on va tout de suite voir si cette application est rapide. 5. Alors, c'est très rapide. 10. C'est très rapide. On reçoit une petite vibration pour 5, deux vibrations pour 10. Donc, c'est vraiment 5. Très sympa. Et 5, comme ici, vous pouvez 5, voir en très gros sur l'écran 5, qu'il y a marqué un gros 5, 5 en jaune. 5, 10, 10. Voilà donc pour cette application Cash Reader. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous désirez avoir. Si vous avez envie, comme d'autres abonnés, que l'on fasse ensemble une petite vidéo témoignage, ça me ferait aussi plaisir de communiquer avec certains abonnés. Ça peut être très sympa. Un petit témoignage d'une personne déficiente visuelle sur comment il gère telle ou telle application, ça peut être super cool. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez surtout à vous abonner pour me suivre, pour m'encourager, à liker et à partager avec vos amis. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.